tout seul au sonno. Beto bantou, tawisana, tout sungana. Passi si yo télé, ultima miento. Passi télé qui, namite manabiso. En République démocratique du Congo par ceux-là même qui sont censés veiller à son bien-être, donc à son bon fonctionnement. La question est pourquoi la constitution tergiverse comme un bateau qui tombe
pris dans une tempête au beau milieu de l'océan. On parle de la Constitution comme si ceci ne tenait qu'aux hommes politiques, alors que les principales intéressés est complètement ignoré et exclu de l'enjeu du peuple congolais. Un vilain jeu du corbeau et du renard. Voilà comment en République démocratique du Congo, le peuple est pris en otage permanent, et pour s'assurer de ce leadership, on a surarmé les fous du roi à la gâchette facile pour maintenir un semblant d'ordre qui n'est autre que de l'oppression sous-jacente, une véritable anguille sous roche. À croire que je les inspire tous pour qu'ils suivent à la lettre tout ce que je leur recommande de ne pas faire. Preuve de leur insuffisance intellectuelle qui nous fait redouter le pire. Ils sont là, mais en train de tout faire pour faire voler en éclats la République démocratique du Congo. Ils sont là aussi, en train de tout faire pour que nous tombions dans leur panneau et qu'ils décrètent là un état d'urgence en suspendant pour un temps indéterminé les institutions en place, en somme, un coup d'état constitutionnel en bonne et due forme. Si la communauté internationale se laisse en faire, alors que l'issue de ces tergiversations semble plus que clair et certain, alors elle se fait complice de tout ce dont on l'accuse dans ce faux semblant. Oui, elle excelle dans l'art de ne pas trop se mêler de ce qui se passe, un peu à l'image de ce que disait Richelieu en son temps sur la loi. Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est tout simplement autoriser la chose qu'on veut défendre. Et je vois mal qui me contredirait là-dessus. Donc, la démocratie est vraiment en train de passer une mauvaise phase avec le régime du peuple RD, contrairement à ce que moi j'avais crié en 1997 au petit Tam Tam, je fais la Timba, au 137 rue Amelot, dans le 11e métrophile du calvaire, où j'ai connu Idi Amboulou, Cheikh Tundu, Jean-Paul Kassindé et tant d'autres, pour ne pas avoir à les citer. À la différence de leur PPRD, le mien était intitulé PPRD, Parti pour le renouveau démocratique, que j'ai très vite replacé dans mon tiroir. Tout ça pour vous dire quoi? Juste pour vous montrer que les Congolais ne sont pas aussi bêtes qu'on le prétend, tout au moins pour ceux qui nous connaissent et se plaisent à nous ignorer pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec ceux qui ont fait d'eux ce qu'ils sont devenus. L'histoire, vous savez, elle est véritablement têtue. Beto Bantu, Tuzolo Sono. Beto Bantu, Tawisana, Tawisana. Mpasisi yokele, mutima mieto, pasi eleki, nakati ya mitima na biso, pa
peto lingana, peto bantu, tuzolo sono, peto bantu, tuyokana, peto lingana, pasizi yo kele, muti mamietu. Si il est qui n'a qu'à t'aimer de ma nabisson pas si zio qu'il est mon petit mamieto pas si melouta n'a bâti ma nabeto beto bantou tout seul au sonno. Beto bantu, tawisana, tawisana. Beto bantu, tuzolo sono. Beto bantu, tawisana, beto lingana. Vous savez, l'histoire est plus têtue qu'on ne le pense. Et la RNC, on sait quelque chose. Excusez-moi pour ces quelques boutades. C'est tout simplement parce que je suis horripilé par l'outrecuidance de certains qui voudraient que le Congo compte à peine quelques hommes d'envergure à la posture d'homme d'État. Ceci est un coup d'État intellectuel que je ne cautionnerai mais jamais. Nous ne disons pas tout ce que nous savons, mais le peu de ce qu'on avoue suffit largement pour en interpeller certains. À bon entendeur, salut. D'amour pour assouvir ma passion, telle est